On propose d'écouter les personnes, on propose des séances avec un psychologue, un psychologue qui peut être ici de manière gratuite pour les personnes qui sont en difficulté financière, qui sont en difficulté familiale et qui souhaitent voir un psychologue pour discuter de problèmes liés à leur orientation sexuelle ou identité de genre. Donc ça on propose, on peut écouter, généralement on fait un premier screening avec nous et on voit, on identifie un petit peu les besoins des personnes. On a donc on peut aussi réorienter, répondre à des questions, informer. Donc ça c'est vraiment l'aspect soutien. On va avoir un autre aspect qui est plutôt l'empowerment de la communauté, donc c'est-à-dire venir avec un projet qui va permettre à des personnes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité par exemple d'acquérir des savoir-être, des savoir-faire et puis se développer, se reconstruire par exemple quand les personnes ont été victimes de forte discrimination, quand elles ont été victimes de rejet familial. On a des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans des situations vraiment assez difficiles. Et donc là, on est là aussi pour encadrer ces jeunes-là, ces personnes qui vivent ces situations, et proposer des activités. Donc là, on va avoir un nouveau programme qui va être bientôt mis en place, justement pour donner à aux personnes qui se sentent l'envie, disons, de se retrouver elles-mêmes, de se reconstruire au niveau de l'identité à travers cette activité-là.